qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que avoir le diable au corps. Pour corser la question, je reprendrai un autre commentaire du mari d'Octave qui précise au sujet, par exemple, d'autres images comme celles que vous venez de voir. Retenons, dit-il, le mouvement du geste de défense à hauteur du visage que contredit celui du genou levé, n'est-ce pas ? Donc, Robert dit oui d'une main ou non d'une main, mais il dit oui de l'autre. Et par conséquent, ça c'est un point très important, Deleuze a intitulé son commentaire de Klossowski le corps langage, et nous voyons ici que un corps c'est comme une proposition, un corps peut se contredire, ce que fait le genou peut contredire ce que fait la main. Et tout cela est simplement un indice du point de vue d'Octave, qui, ne l'oublions pas, est théologien, car pour expliquer la dualité de Robert que nous venons de découvrir, Octave est conduit à dire qu'il y a dans Robert deux natures, et à invoquer sur cette question quelque chose qui n'est autre que le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation qui, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, c'est du point de vue des théologiens, ça veut dire deux natures en une seule personne. Deux natures en une seule personne, ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. Et le problème, c'est que l'union hypostatique, ça implique ce que les philosophes scolastiques appelaient la communication des natures. Il faut qu'une certaine nature, comme la nature divine, se communique à une autre nature, à un être d'une autre nature, comme par exemple la nature humaine. Et ça présente une difficulté d'ordre métaphysique. Et par conséquent, la question est de savoir à quelles conditions est-ce qu'il peut y avoir communication des natures. Et Octave, théologien, le rappelle dans sa conversation avec Antoine. Il rappelle qu'il y a trois cas extrêmes où ça peut se produire. Trois cas qui sont la mort, l'extase et la possession. La mort, l'extase et la possession. Et parmi ces trois cas seuls possibles, quel est le cas de Robert ? Eh bien, vous l'avez compris maintenant, puisque Robert a le diable au corps, son cas, c'est la possession. Et le diable, il faut le rappeler, c'est un démon. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est un démon ? Il faut le rappeler aussi, c'est un ange révolté. Et qu'est-ce que c'est qu'un ange dans la théologie qu'invoque Octave, le mari ? C'est, vous vous en souvenez, un pur esprit. Et par conséquent, nous aboutissons à la glose, à la paraphrase explicative du commentaire deleuzien, à savoir, on ne possède de bien que ce qui est possédé par un pur esprit. Mais ce faisant, nous rejoignons une parole classique, celle qui nous dit « L'homme est de feu, la femme est d'étoupe, et Satan vient qui souffle en croupe. » Par là même, nous avons une explication d'un autre terme technique qu'emploie Octave, le terme scolastique de « suppos », qui est très proche de la notion de substance. Pour qu'il y ait communication des substances, il faut que les deux natures, il faut que les deux natures se trouvent dans un même être, dans un même suppos, au sens technique du terme, et par là même, vous avez un éclairage de la notion de suppos de Satan. Ce qu'il faut préciser par ailleurs, c'est que tout cela, selon Octave, se fait à l'insu de Robert. Octave dit à Antoine, « Robert ne sait point par rapport à moi ou par rapport à toi ce qu'elle sait fort bien par rapport au pur esprit. » Mais, enfin,
Donnons la parole à Roberte. Qu'en pense-t-elle, elle ? Ben, je la cite parce qu'elle tient son journal aussi, comme Octave. Et voici ce qu'elle dit. « Pauvre Octave, pourquoi me vouloir si bégueule quand tu me sais si belle ?» Et elle précise « Je laisse Octave à ses ratiocinations et à ses prières, qu'il ait l'inconcevable orgueil de se croire l'auteur de mes écarts, tant mieux, mais quant à se croire à l'origine de mon tempérament, le pauvre vieux ignore ce dont je suis capable sans lui. » Et ma conclusion sera donc la suivante. Octave possède Roberte parce qu'elle a le diable au corps, mais croyant la posséder à son insu, Octave ne sait pas tout ce que c'est Roberte.